Olivier Lejeune, pour pourrir, monsieur le président, en 1974. Eh oui, plus d'un million cinq cent mille exemplaires vendus. C'était un disque que tu faisais avec ton copain Green. Patrick Green. Il a eu quelques soucis depuis. Oui, il est passé à l'ombre. Il est à l'ombre, il a les traces des barreaux l'été. Les traces des barreaux. Et vous aviez un disque qui s'appelait Pour pourrir. Alors le principe était simple, c'était vous posiez des questions et puis c'était un bout de chanson qui répondait. Voilà, c'était le hit parade de l'époque, 74. Il paraît que tu l'as. Avec les chansons de 70, tu l'as adapté à aujourd'hui. Comme quoi les hommes politiques font toujours les mêmes bêtises. Vous allez voir le principe, c'est très facile. Vas-y, fais-nous un petit bout. Quelques extraits. Ça, c'était la musique de départ à l'époque. Monsieur le Président Jacques Chirac, à l'idée de quitter prochainement l'Élysée, que ressentez-vous ? Je suis malade. C'est pas mal. C'est un peu vrai. C'est bien, Olivier. Nicolas Sarkozy, un message à votre grand ami Dominique de Villepin. Et je serai content quand tu seras mort. Ségolène Royal. C'est ce qu'on pense. Pourquoi vous avez si longtemps à changer de look ? François Hollande, que pensez-vous de Ségolène Royal ? Une jolie fleur dans une pauvre vache. Arlette Laguiller, quelle est la question à laquelle vous n'obtenez jamais de réponse ? Ça c'est facile. Monsieur Jack Lang, dans les années à venir, quelle est votre ambition suprême ? Ma vie, j'ai rêvé d'être hôtesse de l'air. Jean-Pierre Raffarin, le bilan de vos 3 ans passés à Matignon ? J'ai bien mangé, j'ai bien bu. Philippe de Villiers, comment vous surnomme-t-on en Vendée ? On m'appelle Simple. Monsieur le Président, pour vous, qui est Michel Alliomare ? La folle du régiment, la préférée du capitaine des dragons. Monsieur le Président Jacques, en voyant côte à côte Monsieur Sarkozy de Villepin, que vous dites-vous ? Et enfin, Monsieur le Président, que fait la présidente toute la journée à l'Élysée ? Elle met du vieux pain sur son balcon. Attirer les moineaux, les pigeons. Et nous, aux années bonheur, nous concluons. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ? Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête ? Voilà, c'est Monsieur Olivier Lejeune. C'était un petit clin d'œil aux années 74. C'était en 1974, exactement. Précisément, oui. Et l'année prochaine, il est question qu'on leur fasse que vous refassiez une petite bêtise. 33 ans après.